Nous sommes en 1944. Paris a connu les exécutions sommaires, les arrestations des premiers résistants et la rafle du Vel'd'Hiv. Je répète, blesse mon cœur d'une langueur monotone. À Paris, les privations et les persécutions se prolongent. Le premier, à l'angle de la rue de Rome. Un autre, au coin de la rue de Moscou, avec des bouteilles d'essence, prêts à intervenir si les chars allemands avancent vers la place Clichy. Le 22 août, le colonel Roll Tanguy, chef des FFI, lance un appel à l'insurrection. Le 26 août, sur les Champs-Élysées, Paris défile avec ses libérateurs.